Oui, le Paris Saint-Germain qui a bien lancé sa saison en dominant le FC Nantes 4 buts à 0 avec un doublé de Neymar Junior, un but de Messi, un but de Sergio Ramos. Messi et Neymar brillent sans Mbappé envoient un message pour cette nouvelle saison. Bienvenue dans la voix du foot, installez-vous. Nous allons en parler foot. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un immense plaisir à chaque fois que nous avons la possibilité de vous présenter une nouvelle vidéo sur la voie du foot. Filioka, abonnez à elle, partagez, like, commentez. C'est qu'on soit capable de nous grandir. Pas négliger like, pesez petit pouce là. C'est face au soir capable de Filioka avancer. Donc, je dis en oui, Paris s'est jamais lancé saison. Très sérieux avec cette victoire. Une belle prestation de Lionel Andrés Messi qui a décoché le prix du meilleur joueur de cette finale. Finale ça qui était jouée Tel Aviv, quoi c'est pays Israël, devant environ 28 000 spectateurs. Donc Messi qui venait de une saison, je suis capable de dire, décevante. Donc Messi qui pas trop brillé au cours de la saison 2021-2022. Et saison ça qui montrait en pile envie, qui montrait ça pral changer sous en pile point. Et donc Lionel Messi qui finit meilleur joueur final là. Donc Messi et nous, ouais, qui était vraiment intéressant dans un final ça. Donc le Paris Saint-Germain qui lui-même tout sorti de yon saison, et je suis capable de dire, et insatisfaisante puisque Paris Saint-Germain. Toujours, c'est gagner la Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris. Et donc, avec Christophe Galtier qui est même venu pour le capable de lever des fissages. Aujourd'hui, on était campé avec une défense à 3. Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Et c'était un système 3-4-3 le table joué avec Verratti accompagné de Vitinha. Nuno Mendes à droite, Hakimi en fait à gauche, Hakimi à droite. Et puis devant, on a Lionel Andrés Messi, Neymar à droite et puis Sarabia à gauche. Et donc voilà, est-ce que Christophe Galtier est même capable de kembe système ça? Donc il n'est que d'attendre, mesdames, messieurs, saison 1 pour le commencer. Pour Paris Saint-Germain, en fait, il est déjà commencé. Le Paris Saint-Germain a entré dans la bataille pour Ligue 1 à partir de week-end Cap Vinila. Donc, Ligue 1 lui-même, lui est pral ouvert. Et donc, Lionel Andrés Messi, qui lui-même est très content après le prix que lui remporté. Hein. Mais il joue finalement. Donc, c'est pour la deuxième fois que Messi lui remporté tout fait ça avec le Paris Saint-Germain. Donc, Neymar enfonce dans l'histoire du PSG avec ce doublé. Donc, Neymar Livinila, cinquième meilleur buteur équipe ça. Donc, cinquième joueur qui marquait plus de goals pour l'équipe Paris Saint-Germain en dedans, Pedro Miguel Poleta, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé qui lui-même gagne 171 goals, et Edinson Cavani qui gagne 200 goals. Donc, Neymar qui lui-même pas trop présent tout pendant la saison ça. Donc Neymar qui a annoncé la couleur pour la saison prochaine. Donc lui montre ça dans l'action de surtout lorsque Paris Saint-Germain après le reprendre terrain. Donc Neymar était écouté dans la vacances li pour être capable et bien venir commencer avec Paris Saint-Germain. Donc Neymar qui est toujours présent et avant dans l'entraînement. Et les Semoun qui a sorti souterrain pitatou côté que la travail et des exercices individuels. Donc Neymar lui est quand même très très intéressé et avec un renouveau pour la saison prochaine. Donc il n'est que d'attendre, mesdames, messieurs, est-ce que Neymar Lipral est très très décisif pour saison ça avec le Paris Saint-Germain. Donc Neymar tout qui a tout profité préparé mondial lui, nous connaît le Brésil, Lipral entrer dans la bataille dans le mondial qui a fait dans le pays Qatar dans le mois de décembre et Cap Vinila. Donc, après Neymar, après et donc Messi, maintenant la question c'est à quoi peut-on s'attendre? Donc, puisque Paris Saint-Germain pas déjà en panne, si tu fais ça, yo, Paris Saint-Germain était toujours prêt, yo, mais qu'on a le Paris Saint-Germain, c'est derrière la Ligue des Champions, la Goumet.
Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait un pile change maintenant équipe là, ils ont fait venir Galtier, ils ont fait venir des nouveaux joueurs. Donc c'est quand même une réforme qui est faite au sein du Paris Saint-Germain. Donc nous Galway, est-ce que Galtier lui-même l'a capable porter et eh bien satisfaction avec Nasser Al-Khelaïfi. Donc voilà, merci pour votre attention. Abonnez, partagez, like. Je suis Philippe Médel, fondateur de Philoka. Rendez-vous pour une autre vidéo.